Depuis Tournon, le Rhône coule librement sans rencontrer un seul pont jusqu'à Valence. 20 km sans pont. Si vous n'habitez pas Tournon ou Valence, vous devez prendre votre barque ou appeler le passeur. Les remorqueurs indifférents ne vous traverseront pas. Cette grande montagne, c'est l'Ardèche. Et de l'autre côté, voici la Drôme. Les deux rives ne communiquent ensemble que par des éclats de voix. L'Ardéchois réclame le passeur, mais c'est dimanche et le passeur qui est dans la Drôme fait la sourde oreille. On fait souvent des processions dans l'Ardèche. Les gens d'ici sont de bons chrétiens. L'homme qui porte le dé, c'est le maire de Saint-Jean, c'est Monsieur Boiron. Comme vous voyez, il donne l'exemple. Tous vos enfants, bonne Vierge Marie, protégez tous vos enfants. Sa fille, Augusta. Elle ne lui ressemble pas. Et sa sœur, la tante d'Augusta, qui est religieuse et qui fait la classe. Toujours, mon bonhomme. Le passeur a d'autres soucis. Tu vas pas chercher? Ah non! Je vous tiens, je ne vous lâche plus, monsieur le maire. Et mes chaises, toujours pas employées? Je vais te retirer ma clientèle? Tu crois que tu préfères mieux laisser tomber la pêche? T'es trop vieux, maintenant. Les gendarmes courent plus vite que toi. Hé, hey, c'est par là! Oui. Oui, je vois. Qu'est-ce que t'appelles l'escalier? Escalier. Mais un escalier, ça s'en va pas comme ça. Tu l'as brûlé pour te chauffer? Non. Menteur. La commune te donne une maison gratis et tu trouves le moyen de brûler l'escalier. Tu crois que c'est des mœurs de locataire? Si j'étais locataire, j'habiterais pas un tour d'y pareil. Vous voulez voir au-dessus? Ben, venez par la cour. Oh, mon Dieu. Je ne vous attendais pas, monsieur Girard. Tu m'as fait peur. On ne sait quoi faire l'été dimanche. Alors je sors mes robes. Je vais faire prendre un peu l'air. Il n'y a aucune distraction dans ce joli port de mer. Ta manche qui trempe dans le vin. Oh, de Jésus. Monsieur Girard est venu se rendre compte. Pourquoi? Eh bien, voyez, monsieur Girard. Regardez ce trou, là. Eh bien, si j'étais somnambule, je me réveillerais en bas. Nous n'avons plus de porte, monsieur Girard. Quand je sors, je suis obligée de mettre tous mes bijoux sur moi. Quand je les laisse, je ne suis pas tranquille. T'as pas bu le lit toute seule? Oh, il y a bien une petite maison près d'église qui ferait notre affaire. Évidemment, elle est modeste, mais il y a des fleurs devant. Voulez-vous qu'il vous la montre? J'ai pas le temps. Et puis j'ai pas la clé. Et la porte tient pas, on l'ouvre avec un coup de pied. Allez, viens vite. Toi, ma petite, tu vas m'expliquer tout à l'heure avec qui t'as bu le lit. J'ai eu raison d'emporter mon verre. S'il avait vu les deux, on était fait. Alors, tu n'as pas de regret de la vendre? Non, non. C'est un mauvais souvenir. Elle n'a pas servi. Elle n'a pas servi? Elle n'a pas servi. Mais tu vois, j'aimerais mieux la rose.
Ah, là-haut. Ah, ah, elle me plaît, celle-là. Ah, oui. Essaye-la que je la voie sur toi. Ah non, on n'a pas le temps. Mais on ne voit pas bien une robe comme ça à la main. Et des histoires pour me voir déshabillée. Je te tournerai le dos. Mmh. Et je ne m'en suis jamais. J'aurais peut-être plus envie de la laisser partir. Il y a un moyen d'arranger ça, Maryse. Mais c'est que je t'emmène avec la robe. Oh, tais-toi, Luigi. Si tu partais avec moi, hein, ben je te la laisserai sur le dos. Mais tu ne me plais pas. Et non, tu te plais, lui, tu le trouves mieux que moi. Il est propre, il est toujours sur l'eau. Propre? Ah, oui. Il a les pieds plus propres que son casier judiciaire. Tu ne vas pas bientôt aller en prison? Oh, ça. Faut pas compter là-dessus, la bique. C'est quand il est en prison que je m'entends mieux avec lui. Quand on n'aura jamais vu une aussi jolie. 1000 francs qu'elle a coûté. C'est quelque chose à cette époque-là. Tu peux te retourner. Oh, moi, tu sais, les belles choses, je les vois toujours avec un peu de retard. Tu en demandes combien? Oh, écoute, la bique, j'ai pas un sou dans ma poche, je me demande de discuter avec toi. Je t'en donne 300. Faut-il te dire merci? Il y a 1000 de mal, tiens, je vais le chercher et on va le boire ensemble. Ah bon. Hé, hey, la bique! Oui. Écoute, la bique, puisque je suis habillée, je voudrais aller au bal. Alors laisse-moi la robe, je la donnerai ce soir. Si tu veux, hein. Mais fais-y attention. Oui, vous la pique, vous la pique, oui. C'est une robe qui vaut 300 francs, ça. Eh oui, 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 elle vaut 300 francs. J'ai promis 100 litres de vin, ça va, mais... Moi qui ai une robe comme ça, j'aime pas. Surtout, ce sera... Bonjour, Garonne. Salut, jeune homme. Et qui c'est qui vient faire de l'œil par ici? Oh, ouais. Je passais, moi. Souviens-toi que pour faire de l'œil, un borgne est toujours plus fort que toi. Et méfie-toi, hein? Parce qu'il dort que d'un œil. J'ai pêché une fracture et toi tu vas rester ici. Non mais tu t'imagines que j'ai mis ma belle robe pour rester à la maison? Mais enlève-la. Oui, au bois. Faudra une bonne raison pour que je l'enlève dans l'après-midi. Quelle bonne raison? Bon, tu peux plus me donner, toi. Bon, ben, on verra ça ce soir. Si j'y suis. Mais qu'est-ce qui te manque encore? Un escalier. Je t'ai fait une échelle. Oui, ben, ton échelle, j'en ai assez, comprends-tu, mais je m'y casserai le cou. Ah! Venez, 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 venez. C'est pour qu'il te casse pas le cou. Tout à l'heure. Ah, mais pas sans échelle, Garonne, s'il y avait le feu. J'ai enlevé les allumettes. Mais oui, ben, je sais pourquoi t'as brûlé l'escalier. C'est parce qu'on m'empêchait de sortir. Parce que t'es jaloux. T'es trop vieux pour garder une femme et t'as peur que l'autre te la prenne. Tu t'es pas regardé. C'est pas la peine de passer 10 heures devant ton miroir. C'est vrai qu'il est comme toi, ton miroir. Il vaut plus rien. Il en a trop vu. Oh, mais je peux en avoir d'autres, tu sais. Qui c'est? Le marchand de fond de la peine, peut-être. Eh ben, pourquoi pas? Vous iriez bien ensemble. Oh, Garonne, j'ai sauté. Mais chaud. Oh, méchant dingue. Méchant dingue. Voyou, voyou, voyou. Grand voyou. Mal de rien, t'es mortel. T'es payé. J'irai quand même au bal. J'irai quand même. J'allais danser. Alors, pourquoi? En pleine jeunesse, moi. Il y aura bien sûr le grand bijou. Bien, petit bois, joli. Voilà. Tout ça. Amélie! 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 Oh, mes petits!
centimes. Mettez-moi l'échelle, là. T'as qu'à sauter. Saute. Eh bien, saute, Marie, saute. Et voyez-vous. Oh, le petit misérable. Je le dirai à ton père. Oh, le petit bonheur. Oh, il s'en fout bien, mon père. Oh, mais ça, je l'aurai quand même, l'échelle. Ah oui, je l'aurai, l'échelle. Mais c'est qu'on va pas comme ça, moi. Ah, mais alors. Qu'est-ce que tu en arrives? C'est Garonne qui lui a enlevé les chaînes. Et elle a perdu son chapeau. Allez, on vous demande rien, allez sauter. Oh, Pilou. Oh, Pilou. Pilou. Oh, Pilou. C'est la jalousie, tu sais, une crise de jalousie. J'aimais bien l'amoureux comme ton père. Pilou. Il finira par me tuer. Oh. Merci, Pilou. Merci. T'es gentil, toi, au moins. Oh non, alors, je ne méritais pas ça quand même. T'as vu un escalier, il me l'a brûlé. T'as vu une échelle, puis il me l'a enlevé. Oh non, ça, ça fait pas bien. Toi, t'es gentil, Pilou. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette robe? Tu te déguises, hein? Comment je me déguise? Ben, je suis habillée, quoi. Là-bas, c'est Gérard, je vais danser. Donne-moi mon chapeau. Hein? Moi aussi. Non, non, moi, j'en veux pas, laisse-la là. Ça entre. Tu m'emmènes danser, Pilou? Non, pas maintenant. Je vais faire enregistrer mon vélo. Tu pars en voyage? Oh, je n'en sais rien. Comment? Tu n'es pas sûr de faire une bêtise, toi? Non, il y a toujours autant de puces chez toi, Maryse. Oh, c'est rien. C'est des puces de chat. Ça tient pas sur les gens. Attends, il met la coulée. Tu peux pas aller danser comme ça? Donne-moi ton mouchoir. Bon, j'ai pas pleuré, pourquoi? Ah, ben si. C'est haut. Quel salaud, ton père, tu sais. Ça peut plus durer comme ça. Ça fait tout de même 18 ans que ça dure. 17. 17 ne vieillit pas. 17 avec le même. Ah oui, mais il est resté 2 ans en prison. Alors 17 moins 2, ça fait 15. Pas d'erreur. Tu peux aller danser, tiens. Ah, il est bon pour la lessive. T'as vu ça, hein? C'est de la vraie Valenciennes. Ça, c'est quelque chose. Oh, mais on ira voir pour un comédie comme ça, c'est garanti. Les gars, on y va. Je suis dans le bon chemin, les gars. Oui. Eh ben, tu veux bien. Et nous voilà. Voilà. Vous entendez? Ça gambine. J'aime mieux être là qu'à la procession, hein. Qu'est-ce qui va me passer, papa? Je devais tenir un cordon de bannière. Oh, non, c'est pas vrai. Moi, j'y parlerai à ton père. T'as une grande gueule ici, mais quand t'es devant lui, t'es comme moi, t'oses pas l'ouvrir. Bonjour, l'ami. On se dévergonde. On va faire danser les filles de Pont-Saint-Jean. Eh bien, ça aurait été plus prudent d'emmener les vôtres avec vous. Danser ensemble. Les cavaliers ne manquent pas, nom de Dieu. Oh, elle est en beauté, la parisienne. Comme d'habitude. C'est pas une belle habitude. Monsieur Gérard. Doucement, t'en auras qu'un. Asseyez-vous donc.
Il est à la gare. La gare? Il attend quelqu'un? Non, il fait enregistrer son vélo. Qu'est-ce que vous buvez? Moi, je parlais bien quelque chose, j'ai la bouche sèche. Tenez, commandez-moi donc. Oh, Dieu, il n'y a rien du tout ici, donc du vin rouge. Heureusement, il n'est pas très fort. Alors, un canon? C'est ça, ma mignonne, un canon. Monsieur Girard, un canon. Voilà! Mais pourquoi envoie-t-il son vélo? Mais il ne l'envoie pas, il prend le train. Vous ne saviez pas? Non. Je l'ai vu hier, il m'a rien dit. Oh, les hommes, vous savez. J'aime pas vous voir pleurer, Augustin. Mal. Je pleure mal. Comment peut-il pleurer? Je vous montrerai. Voulez-vous que nous soyons des amis? Nous ne pourrons pas être des rivales. Nous n'aimerons jamais les mêmes hommes. Oh non. Alors, laissez-moi vous guider. Vous voulez bien? Comme une grande sœur. Oui, madame. Bien, puis il voit beaucoup d'affection pour vous. Mais vos parents? Oh, ma pauvre petite. Quelle famille! C'est pas du tout ce qui lui convient? Bah, conviennent peut-être bien à Pilou, mais... C'est plutôt lui qui leur convient pas. Ah pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est des puces de chat, ça reste pas sur les gens. Je leur dis bien, c'est pas Garonne que j'épouse. Oh, ma pauvre petite! Mais Garonne, vous l'épouseriez pas si facilement. Mais qu'est-ce que vous pensez? Je ne sais pas si vous épouserez le fils de Garonne, mais le père, si vous croyez qu'il aurait attendu comme ça à la porte de vos parents, c'est un seigneur, Garonne. Quand on voit la peau de ses fesses par les trous de son pantalon, c'est pas la peau de n'importe qui, c'est la peau d'un monsieur. Pourriez quand même bien le raccommoder un petit peu. Oh, ma pauvre petite, jamais tu tenir une aiguille. Non, moi, quand une chose est usée, je la donne. Ça vient plus doux. Bonjour, Augustin. J'ai de parler. Une minute, quoi. Tu peux d'abord me donner une cigarette. Merci. Et puis commandez une bouteille. Quand vous danserez, vous n'y pensez. Allez, viens. Je demande une bouteille pour Marie. Quoi, tu la fais boire maintenant? C'est ce que tu as à me dire. C'est vrai que tu prends le train tout à l'heure? Hein? Tu prends le train tout à l'heure? Ah oui, c'est vrai. Je peux pas entendre ça et danser, c'est pas possible. Asseyons-nous, va, je n'ai pas plus envie de danser que toi. Madame Girard. Oui, et voilà. Une bouteille de vin pour Marie. Bon, attendu. Je vais à Lyon, mais je reviendrai bientôt. Tu m'aimes plus. Si c'était ça, je resterais ici. Moi ici et toi en face. Le Rhône est bien assez grand. Parce que j'ai pas voulu partir avec toi. Patiente encore un peu. Je serai plus forte que mon père. Mais c'est à moi d'être plus fort que ton père. Je pourrais l'être si tu voulais. Donne-moi encore un mois. Non, je veux plus attendre. Avec le père que tu as, je sais pas ce qui peut t'arriver. Alors je pense toujours qu'il t'enferme ma clé, qu'il te bat. Quand on a réussi à se rejoindre, on ne s'occupe plus que d'une chose. Comment on fera pour se revoir demain? Voilà ce qu'on fait au lieu de s'aimer. Alors ça ne peut plus durer, moi, je partirai ce soir. Augustin, j'ai personne. Fais-moi danser. Non, Pierrot, pas maintenant. Alors? Ils sont tristes dans ce bal. C'est un bal triste. Vous vous débrouillez comme des manches. Ben, je l'ai déjà, ma cavalière. Je l'ai envoyé à la pêche. Je l'ai envoyé pêcher votre friture. Ben, c'est bien le moins. Après ce que vous lui avez promis. Qu'est-ce que je lui ai promis? Le disque est fini. J'entends. Ah bon. Girard, vous n'auriez pas mettre le mien? Non. Oh, un tout petit peu seulement. Girard. Tu ne sais pas encore par cœur ton disque? Les choses qu'on aime, on les sait par cœur. Tu nous en payes. Vous voulez faire un petit tour de vase à Pont-Saint-Jean? C'est plus gai que la procession. Respectez ce qui est respectable. On le connaît plus commun. Et la vie.
impitoyable à ton père. Regardez le black bottom, il est dans le même sport. Qu'est-ce que tu veux faire? Je voudrais qu'ils nous voient danser ensemble. Une danse très gentille qui vient d'être gentille à nous remplacer. Hey, amis, il n'est rien de plus coquin. Non, finissons la danse. Je pense que ce petit moustachu lève la main sur toi. C'est toi, Pilou. Il vous regarde jamais en face. Moi, il ne dit jamais plus que bonjour, monsieur. Et pourtant, doit y en avoir des choses qu'il a envie de me dire. Est-ce qu'il parle quelquefois? Pas beaucoup, non. Il crie seulement. Rentre tout de suite à la maison. Je finis la danse. Ah, il est formidable. Hein? T'as vu comme il a dit ça? On l'entend pas et on le comprend quand même. Rentre tout de suite à la maison. Il n'aime pas beaucoup faire du bruit dehors. Il nous regarde toujours? Oui. Allons-y, viens. Bonjour, monsieur Boiron. Bonjour, monsieur. Voulez-vous asseoir, prendre un verre avec nous? Je ne bois pas, je vous remercie. On peut tout de même s'asseoir. Notre table est là-bas. Je suis pressé. Je sais que t'attends tes souffrances. Viens quand même t'asseoir, non, papa. Allez, viens. Deux secondes, monsieur Boiron. Oui, je sais que vous ne m'aimez pas beaucoup. Vous défendez Augustin de me voir. Je ne vous connais pas. Je ne peux pas permettre à Augustin de rencontrer des jeunes gens que je ne connais pas. Ah, vous pouvez me connaître? Mais oui, c'est ça, cette connaissance. Tu sais que t'attends, tu l'attends. Il est donc impossible de me dire ce que vous pensez? Il me semble que si j'étais à votre place, moi, je m'expliquerais. Veux-tu que je m'en aille? Pouvez-vous me jurer que vous n'êtes pas l'amant de ma fille? Elle m'a affirmé qu'elle n'était pas votre maîtresse. Croyez-la. Hein? Augusta! Pilou, ne va pas, idiot. Quand tu voudras, je serai à toi, tu entends? Quand tu voudras. Augusta! Faire une infidélité. Mais alors la dernière. Vous voyez toutes ces jeunes filles qui n'ont pas de cavalier. C'est où qui va? Il y a Garonne qui arrive d'aller convoyer. Avec fièvre, madame, vos doigts de blanc.
ma tendrette, ne craignez pas ma prudente caresse. C'est quelqu'un ici? Non! Vous voyez? C'est préférable. Ben c'est préférable, c'est entendu. Mais s'il était ici, on saurait au moins qui c'est. Tandis que là, vous verrez que personne viendra encore le réclamer. Si personne ne le réclame, c'est qui manque à personne? Et qui paiera les frais d'enterrement? C'est vous, peut-être. On enterre bien tous les ans 5 ou 6 noyés. Au frais de qui? Ben, de la commune, naturellement. Naturellement. Il faut ce qu'il faut. Ben, il faut ce qu'il faut. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de venir avec de l'argent dans leur poche. Celui qu'ils avaient, ils l'ont dépensé ailleurs qu'ici. Vous rigolez? Je voudrais savoir pourquoi ils viennent jamais chez vous. C'est qu'ils aiment mieux ce coin-là. Papa, viens, restons pas là. Ah, tu es pressé de rentrer maintenant. Tu as peur. Bourre de con, tu vas les chercher maintenant? Ben, il serait venu tout seul, le courant tout ça par là. Edgar Champet, tif-tifou! Tu es dit d'amener une banche! Là, j'irai en bouler pour le voir. Le voir, pourquoi faire? Puisqu'il n'est pas d'ici. Allez, c'est fini, allez, il n'y a plus rien à voir. On vous l'a dit, il n'y a pas d'ici. Allez, hop, il n'y a plus rien à voir. Allez, allez. Allez. Il venait droit sur moi. Et pourquoi tu l'as arrêté? Tu as laissé passer. On dirait que tu sais pas ce que ça peut représenter d'emmerdement pour moi. Mais ça fait jamais qu'une caisse de bois blanc. Oh, je sais bien, et toi, ça coûte jamais rien, tu sais. On a bien raison de dire que les pauvres connaissent pas le prix de l'argent, hein. Bah, il crie comme ça, mais il finira par la donner, sa maison. Ben, s'il la donne pas, tant pis. Tu sais bien qu'avec toi, j'habiterai à la Belle Étoile. Encore trouver moyen de te saouler, toi. Hein? Oh, il m'en faut si peu, mon chéri. Bon. Oui, dis, mon Alcide, est-ce que tu crois encore assez fort pour me porter? C'est facile. T'es si légère. Ben, tu vois, tu vois, pour pas grossir, ça se vieillit, une femme. Alors, Marie, la donne, la robe. Qu'est-ce que c'est? J'y vends ma robe pour payer ta contravention. Jamais de la vie. Je veux pas que tu vendes tes nids pour entretenir le gouvernement. Alors, elle vend ou elle vend pas? Elle vend pas. Et fous-moi le camp. Et que je te trouve pas en train de rouder autour de ses jupes. Soleil pour votre âme, madame. Sur quoi j'ose poser, comme d'avoir des Augustin. J'ai à te parler. Thank you.
gardera de danser avec lui. Avec le fils Garonne? Oui, avec le fils Garonne. Ce voyou? Il me plaît. Tu ne songes tout de même pas à l'épouser? Si. Pas jamais. Augustin, imagine ce vieux pirate ici dans notre famille. Allons, tu vois bien que ça n'est pas possible. Et puis cette Parisienne, une femme venue d'on ne sait où, qui vit comme une chienne avec un homme, sans être mariée. Augustin, ta tante te parle. Oui, j'entends. Garonne et Maryse ne sont pas mariés, c'est facile à arranger. Tu crois qu'ils vont se marier pour te faire plaisir? Pourquoi pas? Ils n'attendent peut-être que cette occasion pour le faire. Des mendiants. Des clochards. Voilà ce que ma fille veut épouser. Mais ma parole, tu es folle. Tu n'es pas raisonnable, Augustin. Oui, je serais raisonnable si j'épousais le fils du chemin. Au moins, sa famille est irréprochable. Oui, seulement il est rouquin. Il pue, il me dégoûte. Du chemin n'est pas si rouquin que ça. Et puis, quelle importance? En vieillissant, les cheveux changent. Pas l'odeur. Tu n'as pas honte? Marguerite. Mon ami. Tu trouves qu'il sent mauvais, toi, le fils du chemin? Oh, pas tellement. Avec un flair pareil, je me demande pourquoi vous êtes entré au couvent. Tu vas demander pardon, insolente. À genoux! Non, non, Amédée, je t'en prie. Je ne permettrai pas. Tu entends, Augustin? Demande pardon à ta tante. Tout de suite! Amédée. Excusez-moi, c'est l'heure du salut. Si t'as des pots de la pâte, tu ne les mets pas de côté. J'en ai pas. Et t'attends, on va, moi. J'en ai pas. Hé, hey, Garonne, viens, tu veux me traverser? Oh, j'ai pas le temps, je vais aller rechercher la famille du mort. Ah, il a des parents, ton noyé? Il en a plus qu'il en faut, des parents. Ils ont téléphoné hier pour avoir des détails. Ils avaient appris le drame par le réveil d'Yana. Ah, mais tu parles de réveil. Hey, c'est Gérard qui leur a répondu. Ah. Oh, des gens tous quiètes comme il faut et pas regardant. Ils ont téléphoné pendant plus d'une demi-heure à 4 francs les 3 minutes. Hé, oh. Hey, tiens, je montre un, je me sauve. Ah, ben voilà un noyé qui leur coûtera pas cher. Bonjour, monsieur Dem. On a bien pris soin de lui, vous savez. Oui. Vous êtes ordonnataire? Ah non, je suis pêcheur. Et c'est moi qui l'ai repêché. Merci beaucoup. Oui. Voilà, alors c'est par là, si vous voulez. Pardon. Il se mettrait en quatre pour vous rendre service. Il vous juge bien, vous savez. Trop aimable. Hier, quand les parents ont téléphoné, il m'a dit textuellement, eh bien maintenant, je suis tranquille. Ce brave Girard ne nous refusera plus la maison. On verra d'abord si c'est bien noyé les parents. Garonne a dit qu'il était méconnaissable. Il n'y a pas raison pour qu'il ne le reconnaisse pas. Et est-ce qu'ils ont seulement de l'argent pour le ramener? Ah. Tiens, à propos, je boirais bien une chopine, moi. Non, pas de chopine avant le café au lait. Ah bon? Mais voilà. Ils ont l'air comme il faut, hein. Des petits bourgeois. De tout petits bourgeois. Oh, je suis déçue. Approchez, monsieur Dem. Pourquoi Pourquoi est-il venu échouer dans ce réduit sordide? C'est le courant, il ne pouvait pas faire autrement. Il ne pouvait pas faire autrement que d'arriver à Pont-Saint-Jean avec le courant. Nous demandions qu'à l'avoir chez nous, pour le dorloter, lui donner la famille qu'il m'avait manqué jusqu'ici. Il revenait des colonies. Je ne peux pas croire qu'il ait fait ça.
C'est pas possible. Ce n'est pas Léon. Est-ce qu'on peut savoir, madame, ce qui se passe dans la cervelle d'un colonel? C'est bien sa carrure. Mais voyons, bien sûr que c'est sa carrure. Vous savez, d'après votre coup de téléphone, ça pouvait être que lui. Pourtant, je ne le retrouve pas tout à fait. Écoutez, ma pauvre dame, c'est déjà bien beau que vous le retrouviez un petit peu. Hein. À Lyon, j'avais bien en effet le pressentiment que c'était mon beau-frère. Mais oui, mais voyons, mais est-ce que ça trompe un pressentiment, ça? Voyons. Est-ce que vous auriez fait un pareil voyage pour un étranger? Hein? Les pressentiments, c'est plus fort que tout, vous savez. Allez, allez, c'est bien, allez, restez pas là, restez. Vous vous faites du mal, ça sert à quoi? Alors, voyons. Alors, soyez raisonnables. Allons, c'est bien, vous savez. Pensez. Alors, messieurs, dames, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, ils vont m'enterrer ici. C'est tellement plus simple. Oui, mais nous habitons Lyon. Nous aurons rarement l'occasion de passer par ici. Et ça vous fera l'occasion de venir. Vous verrez, le pays est très joli. L'air est très sain. Monsieur a raison. C'est plus sage. Mais oui. Girard va vous donner sa belle chambre verte. Vous serez là comme des touristes. Il y a deux belles fenêtres qui donnent sur le Rhône. Et vous verrez, la vue vaut le dérangement. Ah oui. Alors maintenant, on va aller chez le menuisier, hein? Il aimait tant la nature. Il peut pas mieux tomber. Voilà, c'est messieurs, dames. Justement, je travaillais pour vous. Quand je dis pour vous, c'est une façon de parler. Hein? Et Julien, tu pourrais pas trouver du bois un peu plus tocard, non? Et je savais pas sur quel pied danser. Et le chêne, c'est pour les chiens ou pour les chrétiens? C'est pour les chrétiens qui payent. Mais on payera! N'est-ce pas, monsieur Dem? Hey, tu vas nous faire un cercueil en chêne verni avec de l'épaisseur, là, comme celui que t'as fait pour mettre Coquelet. Ah, bah, il faut ce qu'il faut. Et moi, je demande. Excusez-moi, messieurs dames, je vous reverrai tout à l'heure. Oui, c'est ça, tout à l'heure. Ah, ouais. Mais je demande que ça, hein, j'aime mieux travailler dans la qualité. Et pour les poignets, poignets de bronze ou poignets d'argent? Ah, ça, c'est une question de sentiment. Oh, il n'était pas pour le clinquant. C'est juste, le clinquant... Des poignées d'argent, c'est pour un frère. Hein? Alors, maintenant, chez le merveilleux. Hein? Vous n'êtes pas trop fatigué? Je ne savais pas d'ici, voyez. Maryse! Oui? Bonjour, ma belle! Maryse, est-ce que je pourrais vous parler? Ah, une minute seulement, alors. Parce qu'à 11h, j'ai l'enterrement du loyer. Venez vous asseoir. De quoi s'agit-il? Ben, vous ne voudriez pas épouser Garonne? Épouser Garonne? Oui, ça faciliterait très bien les choses pour Pilou et pour moi. Mais ma pauvre petite, on n'épouse pas Garonne, voyons. Non, on vit avec lui tant que ça vous plaît, puis après on le quitte. Ah ben, si vous vouliez le quitter, ça serait aussi bien pour nous, ça. Vous permettez? Je choisirais moi-même le jour où je quitterai mon ami. Vous vous quitterez jamais. Pourquoi? Parce que vous vivez ensemble depuis trop longtemps. Oh, mon pauvre chou, bien. Ah ben, si vous croyez que j'ai l'intention de m'enterrer ici toute ma vie. Non, mais regardez-moi, je vous en prie. Je ne suis pas à sortir au mur. Garonne, faut pas dire ce qu'elle vient de me demander? Non. De me marier avec toi. T'as accepté? Ah, ben, ça non, par exemple. Ben, ça tombe bien, parce que moi, j'en ai pas plus envie que toi. Vous voulez pas nous aider? Ah, mais non. Ben, si je t'écoutais, je perdrais 3000 francs par an. Tu comprends que j'ai fait passer Maryse pour une ancienne domestique. Ben, ça lui permet de toucher 4000 francs par an de la retraite des anciens travailleurs. Ben, si elle se marie, je touche plus que 1200 balles. Oh, grand voyou. Comment grand voyou? Ah, tu crois que c'est pour ça que tu ne veux pas t'épouser? En tout cas, c'est à cause de ça que moi, je ne t'épouserai pas. Oui, alors je ne veux pas 3000 francs par an, non? Mais pourquoi que j'irais perdre bêtement 3000 francs pendant que je t'ai à l'œil? À mon bonhomme. Augusta, vous êtes trop contente. Mon jour est choisi, je pars. Où c'est que tu vas? Où tu ne seras pas. Bon, mais tu peux rester là. C'est moi qui vais te déménager. Qu'est-ce que tu voudras? À présent, qu'est-ce que tu as? Tu demandes comme moi toute distinction, toute distinguée. Je suis là. Il n'y aurait pas de boire.
Prétentieux, t'as qu'à tourner cette maison de couture. C'était très bien. Ah oui, hein, très bien. C'était très bien. Ah, surtout pour un noyé, j'ai même réussi à voir le curé. Le Garonne a été parfait. J'ai fait comme on doit. Tu l'as fait intelligemment, mon vieux. Ce sont des choses qui se remarquent. Qu'est-ce qu'ils font, les parents? Ils sont restés sur la tombe pour une dernière prière. Vont nous rejoindre au café. Madame! Madame! Qu'est-ce que c'est? J'ai une lettre pour Garonne. Garonne? Connais pas. Cherchez-le ailleurs qu'ici. Au bistrot de préférence. Elle est bonne note. À la santé de ces braves gens. C'est la tournée du Maccabée? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suppose que c'est un noyer qui rapporte. Ben, il ne paiera que ce qu'il doit. Il ne paiera pas un peu aussi pour les autres? Ils sont marrants à Saint-Jean. Quand les noyés sont à l'eau frais, ils se foutent de leur gueule. Mais s'il en vient à quatre fois payé, ils sont jaloux. Ils voudraient l'avoir. Une lettre pour Garonne. Pour moi? Sûrement pas. Ici, c'est les gens que j'ai rencontrés à la gare de Saint-Jean qui me l'ont donné. Je me sauve. Au revoir, tout le monde. Cher. Moi, c'est trop fin, je peux pas lire. Donne-moi ça. Cher monsieur Garonne. Merci, monsieur Garonne. C'était très beau, trop beau même, et en tout... Cher... De ne pouvoir serrer... Qu'est-ce qui se passe? Écoutez ça. Merci, monsieur Garonne. C'était très beau, trop beau même, et en tout cas trop cher pour un mort qui n'est peut-être pas le nôtre. Nous partons par le premier train. En regrettant, cher monsieur Garonne, de ne pouvoir serrer une dernière fois la main amie qui nous a guidés et soutenus dans ces pénibles circonstances avec une sympathie douloureuse. Allez, salaud. Et qu'est-ce qui me perd à mon chêne? Et ma croix? Ben, celle-là, alors. Et qu'est-ce qui te demandait quelque chose? Du chêne, Julien, du chêne. Le chrétien payera. Ça nous aurait coûté moins cher de l'enterrer aux frais de la communauté. Si t'en trouvais un plus crétin une fois, tu le foutrais dans le Rhône. Hé hey! Hé! Parlez pas de noyer ici! Ah, ils paieront peut-être un jour, hein? Toi, fous-moi le camp. Et je te défends d'entrer dans la maison. Je te la donne plus, la maison, t'as compris? Allez! Garonne. Tu lui fais son déménagement? Ouais. Hein? Il faut bien. Bien sûr. Vous ne pouviez pas durer comme ça indéfiniment. Bien c'était sûr. Pas une femme pour toi. Mais voyons. Remarque que j'aurais jamais rien fait contre toi tant que tu étais dans la place. Mais... Du moment qu'elle était libre. Tu l'installes chez toi? Oui, à Saint-Jean, là-bas. Comme ça, tu auras l'occasion de la revoir. Maintenant, si tu veux que j'aille plus loin. Non, 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 c'est bien, Saint-Jean. Tu traverses? Oui, je vais dire à Martin de me passer. Et pourquoi tu me demandes pas ça à moi? Mais par délicatesse. Allez, allez, je vais te passer. Mais c'est pas la peine. Martin m'aurait passé. Mais non, viens donc, allons. Je vais t'en passer. C'était pas entendu avec lui. Mais non, allons, je te gêne pas. Mais qu'est-ce qu'il va dire quand... Mais qu'est-ce qu'il va dire? C'est pour bien imprudent. Hein? Imprudent? Oui. Pour un amant. C'est dangereux de traverser le Rhône avec le cocu. Garonne, pas de blague. Hein? Non, c'est toi qui as voulu me passer. C'est bien fini. Je m'en vais pour toujours. Oui, la fille. Ah, là. Marise! Garonne. Garonne. Tu sais, Labic,
Il n'a pas le pied marin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut pas s'embarquer avec n'importe qui. Alcide. Augustin. Augustin. Tu sais bien qu'il faut partir. Tu sais bien que c'est pour ton bien. Elle a foutu le camp. C'est par là qu'elle a filé. Elle a tout emporté. La garce. Oh, elle a laissé son chapelet. Ma pauvre sœur, tu es aussi gourde que ma fille est garce. Là où elle est, elle n'a pas besoin de chapelet. La malheureuse. Mais elle n'aura pas le dernier mot avec moi. J'aimerais mieux l'avoir morte que mariée au fils Garonne. Où vas-tu? À Tournon. Je vais alerter les gendarmes. Tu me crois maintenant? Ah, tu es là. C'est mieux que toutes les promesses. Merci, Augustin. Faut pas me dire merci pour ça. Je n'osais pas y croire, c'était si difficile de s'aimer. Tout va être facile maintenant, tu verras. Plus rien entre nous, plus de père, plus de Rhône, plus rien. Que notre amour. C'est trop simple. Tu crois que c'est vrai? C'est vrai. Enfin, voulait-il t'emmener, ton père? À Privas, à 100 km d'ici. Bien. Là-bas, je vais chercher mon vélo. Remonte sur le camp, nous allons prendre le train à Valence. Oh, j'aurais voulu dire au revoir à tes parents. Mais tu es folle. Non, écoute, ce sont nos seuls amis. Il ne faudrait pas qu'ils s'inquiètent pour nous. Mais mes parents se moquent bien de ce que nous pouvons devenir. C'est très ingrat. Marie t'aime beaucoup. Eh bien, je lui enverrai une carte postale. Hein. Oh non, je ne veux pas partir sans l'embrasser. Bon, ça nous porterait malheur. Mais c'est le seul moyen de nous faire pincer. Enfin, si tu y tiens. Augusta a suivi mes conseils. Elle fait ses dites en chapeau maintenant, et avec des gants. C'est très bien, ma jolie. Oui, c'est pas admirablement coupé, évidemment. Enfin, c'est frais, c'est frais. Et puis quand c'est porté par une jeunesse, n'est-ce pas? Comment va M. Boiron? Mal, sûrement. Mal? Il n'est pas malade, j'espère. Ça se pourrait. Je me suis sauvée. Sauvée? Oui, nous partons. Tous les deux? Naturellement. Alcide! N'allez pas faire ça, Augusta. Si. Bon, écoutez-moi, je vous en supplie, Augusta. Ne faites pas de bêtises. Ne partez pas. N'accordez rien avant d'être mariée. Bah, mêle-toi de tes affaires, Maryse. Il n'a jamais été question de mariage entre nous. Nous nous aimons assez pour ne pas cesser de s'imagrer. Mais si vous ne vous mariez plus, je vois pas pourquoi qu'on se marierait alors, nous autres. Quoi, vous avez l'intention de vous marier? Ben, il en a des questions. Pour vous faciliter les choses. Alors, voilà une idée idiote. Hein. C'est bien mon avis. Qu'est-ce qui vous a fourré ça dans la tête? Et puis, il a raison, vous n'avez pas à vous soucier de nos histoires. Ah, tu t'en vas? Où c'est que vous allez? Hein, j'aime mieux pas te le dire. Comme ça, ça te coûtera rien de le garder pour toi. Allez, au revoir. Alors, bon voyage, hein? Mais soyez raisonnable, faites pas de bêtises. C'est idiot, tes conseils. Oh, je sais bien. Alors, on se marie plus, nous autres? Mais si. Regarde. 5000 balles. Oui. Où c'est que t'as eu ça? C'est Augustin qui nous a donné. Et puis elle m'en donnera autant à son retour.
Augusta, t'es sûre que tu en donneras encore autant? Ah oui, mais avant les encore se marier. Ben alors, il faut se marier tout de suite. Oui, bah c'est ça, ouais. Ça vient. Hey. Vous aurez encore envie de vous marier demain? Mais bien sûr! Je tiens à te remarquer, Marie, que tu n'auras plus droit à la retraite des vieux travailleurs célibataires. Ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, il m'a toujours été odieux de passer pour une domestique. Moi qui n'ai jamais servi personne. Comme tu voudras. Mais au lieu de toucher 4000 francs par an, maintenant tu toucheras plus que 1200 comme femme légitime. Vous êtes sordide, monsieur Gérard. Crois bien que j'ai vu un noyer. Où ça? Dans les herbes au coin de la Traille. C'est un gros paquet qui flotte. Et ta division, va te coucher. Moi, ce que je vous en dis. Et ça, fous-moi le camp. Cette fois, j'y suis pour rien. Encore des emmerdements en perspective. Georges, tu devras aller voir. Oh, j'aime pas voir Salani. Ça me donne des cauchemars. Viens avec moi, Varonne. Et t'as remarqué, c'est toujours les mêmes qui rendent service. Et pour les remerciements qu'ils en ont. Allons, Marie, se fais pas les méchantes. Bois un coup avec la patronne où nous attendons. On s'en parlons. Alors, une shopping? Non, merci, je ne vois jamais. Vraiment? Mais vous n'êtes pas agréable, prenons une infusion. Dites-moi, votre mariage, alors, c'est sérieux? Très sérieux. Vous plaisantez? Oh, votre insistance est blessante, madame Girard. Excusez-moi. Vous comprenez que lorsque Pilou aura épousé Augusta, Garonne sera le beau-frère de la... Non, faut que ce soit un temps, moi, non. Non, attendez. Garonne sera le beau-père de la fille du maire de Saint-Jean. Du maire de Saint-Jean. Alors forcément, eh bien, ça va nous forcer à tenir un certain rang. Mes félicitations. Merci, Joséphine. Le mercredi, je serai toujours chez moi. Il faudra venir prendre une petite tasse de thé. En toute simplicité. Mais oui, c'est ça. Ça. On ne sait quoi faire de ces soirées. Il est toujours un peu de musique. Non, hein? J'adore la musique. Ils sont deux, un jeune homme et une jeune fille. Ils sont attachés par le poignet. Un crime. Il manquait plus que ça, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est peut-être parce que vous n'avez pas voulu me donner la maison. Tu peux pas les repousser un peu dans le courant? Ça servirait à rien, faudrait que je les redescende jusqu'à Valence. Ils reviendront toujours sur notre territoire. T'es vache de Rhône. Il y a bien un truc. Ça serait de passer en face. À Saint-Jean? Et pourquoi pas? Ça serait bien le retour d'enterrer des noyés. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, moi, j'ai rien vu. Bon, ben, moi, j'ai rien vu non plus. À propos, pour la maison, t'es d'accord? Putain, je dois pas te faire rouler avec ma barque, surtout. Allez, adieu. Mais il y a deux noyés sur la plage. Saint-Jean. C'est pas possible. Monsieur le maire, il y a deux noyés sur la plage. Un garçon et une fille.
fille. Tu l'as vue? Je l'ai pas vue parce que j'ai eu peur. Je me suis sauvée. Tu mens. Non, je mens pas. Si tu racontes des histoires. Si c'était vrai, tu me le donnerais. Tiens, le vrai. Oh! Oh mon Dieu, que c'est beau. Il te plaît? Oh. Mais tu sais combien ça vaut, ça? Ben, naturellement, puisque je l'ai acheté. Oh, menteur! Mais tu n'auras jamais assez d'argent pour acheter un bijou pareil. Tu l'as volé ou tu l'as trouvé? Ben, qu'est-ce que ça peut te faire, puisqu'il te plaît? Non, mais je ne serai pas tranquille tant que je ne saurai pas. Ben oui, je l'ai trouvé, quoi. Où? Au poignet de la jeune noyée. Ah, quelle horreur! Ah, mais comment tu peux faire une chose pareille, voyons? Mais c'est pour te faire plaisir. Non, mais non, j'en veux pas. Il est pas beau? Si, mais... Ben, garde-le! Oh non. Non, je sens que ça me porterait malheur, non? Il faut le rendre, Alcide. C'est peut-être grâce à lui qu'on pourrait les reconnaître. Mais si on les reconnaît pas, tant mieux. Les parents auront moins de chagrin. Ils pourront croire qu'ils sont toujours vivants, qu'ils sont heureux quelque part. Allez, garde-le. Mets-le, ton poignet. Il est tout petit. Il est fait pour les beaux bijoux, ton poignet. Hé. Hey. Ça ne plaît pas, non. Mais rends-le-moi, je le rendrai à Valence. Ah non, vous le rendrez à la morte. Mais qu'est-ce qu'elle en fait, la morte, dit-elle? Parce qu'il en fait, mais faut lui rendre. Ça porte à l'heure. Faut pas le... Rends-moi ce bracelet. Rends-moi ce bracelet, non, tu ne l'auras pas. Je le rendrai à la morte. Je le rendrai à la morte. Non. On vous dérange pas? Pas du tout, entrez donc. Vous m'emmenez en vacances? Ah, mais c'est vrai que tu as 3 mois à faire. Ben, vous venez pas pour ça? Non, c'est pour autre chose aujourd'hui. Ah, il n'a rien fait d'autre. Ça, je peux le jurer. Je n'ai pas bougé de chez Gérard hier soir. Vous pouvez y demander? Nous enquêtons sur la disparition de Gustave Boiron. Je ne vous apprends rien. Ah, si, première nouvelle. Et toi, Garonne, tu sais quelque chose? Moi, je sais qu'une chose. Quand les petits oiseaux ont des ailes, ils s'envolent du nid. Gendarme, laissez-nous une seconde, voulez-vous? Il est venu de noyer à Saint-Jean cette nuit. Ah, pourquoi nous dites-vous ça à nous? On n'y est pour rien, nous. Ça m'a fichu un coup. J'ai cru que c'était eux. Bon, il n'y a pas de danger. Qu'est-ce que vous en savez? J'en sais rien. Maryse, où sont nos enfants? Nos enfants? J'ai déjà dit aux gendarmes qu'on n'en sait rien. C'est qu'un œil, c'est juste assez pour mes affaires. Les gendarmes sauraient bien de faire parler. Vous causez trop, monsieur Boiron. Les gendarmes, c'est fait pour faire parler des bavards comme vous. Pas un homme comme moi. Marie, j'ai peur. J'ai peur de quoi donc, monsieur Boiron? Si Augusta et Pilou allaient faire une bêtise, comme les noyés de cette nuit. Mais il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de raison, ils ont de bons parents, eux. C'est pas comme il y en a. Hein? Ils n'ont pas besoin de se tuer pour être ensemble, eux. C'est entendu, vous ne savez rien. Mais tout de même, faites-leur savoir que s'ils reviennent, ils pourront se marier. C'est entendu, je leur dirai, si je les rencontre. Monsieur Philippe Garonne, c'est bien ici? Oui. Voilà. Au revoir, au revoir. Edith. Oui? Un télégramme. Monte ça au neuf. Y a pas moyen de les faire taire? Je dors, moi. Écoutez, c'est pas l'heure de dormir. Mais j'ai pas le choix. C'est mon patron qui choisit mes heures de sommeil. Je travaille toute la nuit, faut tout de même bien que je me repose le jour. Un peu de silence! C'est jeune. Ils ont bien le temps d'être tristes. C'est les amoureux, un peu de silence! Y a les badins qui veulent dormir, ils sont seuls. Vous, au moins, vous êtes sage. Qu'est-ce que c'est? Revenez, vous pouvez vous marier, Maryse. Pouvez-vous marier, moi? Comment sait-elle notre adresse? Je lui ai écrit. Ah, je vois. Tu avais pris toutes tes précautions. Je savais bien que papa finirait par mettre les pouces.
Alors, t'es contente maintenant? Ceux-là, ce qui peuvent être canulants, ils sont heureux. Ils peuvent pas être heureux en silence. Comme nous. J'ai jamais été bruyant, moi. Nous apprenons à nous connaître. Et puis cette chambre est cafardeuse. On devrait faire un tour avant le déjeuner. Si tu veux. Allons bord du Rhône. Oh, le Rhône encore. Ah, ici, c'est pas le même. Si tu veux, oui. Marier. Tu veux qu'on se marie maintenant? Pourquoi pas? Tu te contredis? Les gens qui s'aiment n'ont pas besoin de te simagrer. Ah ouais, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Tu n'es pas contente de pouvoir te marier? Si, bien sûr. M'épouse parce que tu ne m'aimes pas. Asseyons-nous, je suis lasse. Si nous nous étions vraiment aimés, nous ne songerions pas à nous marier. On s'est aimés. Car regarde tout ce que nous avons fait pour nous rejoindre. Si tout avait été facile, peut-être qu'on n'aurait même pas essayé. Allez, maintenant c'est fait. Tu es ma femme. Tu m'offres le mariage comme... Comme quoi? Comme une réparation. Parce que tu n'as rien d'autre à me donner. Tu n'as rien à me reprocher, je suis correct. Je ne te demande pas d'être correct, Philippe. Je t'offre ce que je peux, tu le sais bien. Mais moi, il y a encore quelque chose que je peux te donner. La liberté. Quoi, c'est grave ce que tu dis, Augustin? Enfin, réfléchis. Tu pleures? Mais non, à quoi ça servirait? Et puis Maryse m'a dit que je pleurais mal. Pardon. Fais rien, j'en veux plus. Tiens. On a retrouvé deux noyés à Saint-Jean. À Pont-Saint-Jean? Non, à Saint-Jean. Un garçon et une fille se sont jetés dans le Rhône. Ils s'étaient attachés l'un à l'autre avec une corde. Ensemble. Ah, il n'y a pas de corps pour vivre ensemble. Ému. Je suis un peu serré. Le plus beau jour de ma vie. J'avais rêvé de me marier en blanc, à 18 ans, à la Madeleine, avec un Syrien. Si ça peut te faire plaisir, je vais me mettre un plumeau sur la tête. Moi, le plus beau jour de ma vie, ça a été celui de la première communion. Moi, c'est quand je t'ai connu. Oh. Oui. Oh, Alcide. Hein? Garonne! Les gendarmes. Mais ça commence bien. C'est quoi? On vient te chercher. Pour tes 3 mois de vacances. Oh, vous tombez mal. Tu es dans notre métier, c'est rare qu'on tombe bien. Je me marie aujourd'hui. Ça va, faut pas nous prendre pour des... Il semblait, quoi. Je vais pas m'embarquer, quoi. Vous voyez bien que je suis en dimanche. Maryse aussi, hein, Maryse? Oui. Oh, elle est toujours en dimanche.
Oh, voyons, messieurs, un bon mouvement. Pour faire plaisir à la mariée. Eh bien, on te félicite. Elle vous dirait, vous allez me serrer la main, puis vous la lâcherez plus. Allez, viens, bonne histoire. Tu n'as rien en sortant de prison. T'as attendu 50 ans. Tu peux bien attendre 3 mois. Mais c'est pressé. Pourquoi? C'est des choses de famille qui ne regardent que nous. Hein? Oui. C'est bon, vous pouvez vous marier. Mais à condition qu'en sortant de la mairie, tu nous suives gentiment. D'accord? D'accord. Eh bien, moi, je vais aller finir ma beauté. Remarquez que j'y mets de la bonne volonté, hein. Parce que si je restais ici, vous n'avez le droit de m'arrêter que dans la rue. Et si nous ne bougions pas d'ici, tu ne pourrais pas aller te marier. Bonjour, là. Ah, mais dis donc, mais t'as trop d'invités, hein, Garonne. C'est pas moi, c'est eux qui m'invitent. Bonjour, les gendarmes. Pour ça, le banquet, vous le ferez sans lui. Oui, c'est fini, la rigolade. Ça va? Ben alors, Marie, voyons, il est là, qu'est-ce que tu fais? Et vous, les garçons d'honneur? Toi, fous-moi le camp! Oh, ce que t'es belle! On a un beau chapeau! Mais mon vieux, il te va comme un gant, mon costume! Il est trop petit! Non, non! Dis là, il te gêne pas, non! Est-ce que tu peux le déboutonner? Ça va! Ça va! Oh, allez, allez, mets ça pas! Oh, mon le cortège! Le cortège! Ils se foutent de nous, oui. Ah, tu vois, ben moi aussi je voudrais bien me marier. Mais en blanc. Voyons, moi, tu sais, en noir ou en blanc, c'est fini. Belle cérémonie. Ah oui, ça s'en est une. Ah oui alors, tu penses? On dirait le temps que tu l'avais vendu. Oui, pareil. Je suis ému. Ça me rappelle ma jeunesse. Nous attendrissons pas, Amélie. C'est peut-être pas prudent de le quitter. Oh, il finira bien par sortir. Monsieur et mademoiselle, conformément à la loi, je vais vous donner connaissance du code civil, titre du mariage, chapitre 6. Droits et devoirs respectifs des époux. Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir, élever leurs enfants. Ils sont tenus de l'obligation alimentaire. Ils se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Le mari doit protection à sa femme. La femme obéissance à son mari. Ouvre tes oreilles. Il te va comme un gant, mon costume. T'es content, hein? Oh. De le suivre partout où il juge à propos de résider. Le mari est obligé de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie. Attends, grand feignant. Monsieur Alcide Garonne, consentez-vous à épouser mademoiselle Victorine Rousset? Oui. Tu t'appelles Victorine? Dans le monde de la couture, on m'a toujours appelé Marie. Mademoiselle Victorine Rousset, consentez-vous à épouser monsieur Alcide Garonne? Eh bien alors? Ah ben une seconde, quoi. Un moment de réflexion, c'est grave. Enfin, consentez-vous à épouser Alcide Garonne? Bah oui, là, oui. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Merci bien. Je vous invite à venir signer le registre.
sais pas écrire? Si, mais j'ai pas le temps. À vous, madame Victorine Garonne. Pardon. Premier témoin. Pour cette fois, t'es pas obligé de me suivre. Les fous. Garonne, attention à mon costume, il est presque neuf. Garonne. Garonne. Ben, ben, ben là, c'est tout ce qu'il en reste. Sa maison. Bravo! Vous cherchez quelque chose? Messieurs! Faucheton! Tu nous avais donné ta parole. Alors, t'as plus de parole? Écoute, mon petit, t'es gendarme et moi, je suis pirate. Il peut pas y avoir d'engagement d'honneur entre nous. Tu fais ça pour nous emmerder? Ouais, non, c'est pour le banquet. Vous voulez tout de même pas me faire rater mon repas de noces? Comment vous êtes encore là? Messieurs, vous manquez de tact, c'est vraiment. Et puis, tu peux leur payer le coup, hein? Ils ont eu son, ils ont eu! Par un petit coup, c'est agréable. Par un petit coup, c'est doux. Noël, si tu n'auras pas ma rose, Noël, si tu n'auras rien, monsieur le curé a défendu la chose. Noël, si tu n'auras pas ma rose, Noël, si tu n'auras rien. Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est doux. Mais il ne faut pas. T'en as une belle valise, c'est un cadeau de ta fiancée? Non, c'est un cadeau pour Maryse. Pour moi, hein? Oui. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mon pilou, oh, t'es trop gentil, faut que je t'embrasse. Alors ça, c'est un beau phonographe. Alors, vous êtes mariés quand même? Comment quand même? Comme n'est pas reçu notre lettre? Quelle lettre? Alors, Augusta vous a écrit pour vous dire qu'on ne se mariait pas. Nom de Dieu, mais j'ai rien reçu, moi. Bah, tu m'étonnes. Maryse, on a reçu une lettre. Léo. Hein? C'est-à-dire que... C'est-à-dire que quoi? J'ai bien reçu quelque chose comme ça, mais j'ai oublié de t'en parler. Qu'est-ce que t'as? Un mal aux dents? C'est le mal d'amour. Le mal d'amour. Mal d'amour. Pourquoi tu fais ça, Maryse? Pour qu'il m'épouse quand même. Vieille folle. C'est moi. Alors, tu es contente de toi? Je n'ai rien à regretter. Il fallait que ça arrive. Je ne veux pas discuter. Tu as gagné. Non. Gagné? J'ai juré à ta tante que je ne te toucherai pas. Épouse ton ouvrier, grand bien de face. Bonsoir. Pilou ne m'épousera pas. Qu'est-ce que tu dis? Il ne veut plus de toi, maintenant? Moi non plus. Je ne veux plus de lui. Comment? Ce jeune saligaud avec ma fille? Il couche avec elle? Et il me la rend comme si rien ne s'était passé? Ah,
non. C'est trop facile. Il ne se défilera pas comme ça. Puisque c'est moi qui ne veux plus de lui. Trop tard, ma petite. Il fallait le refuser avant. Avant, j'avais pas de raison. Je vous ferai changer d'avis, moi. D'abord, je vais aller trouver ce petit maquereau. Laisse-le donc tranquille, il ne me doit rien. Après ce qu'il t'a fait, à toi, une jeune fille. Qu'est-ce qu'il te dit que j'étais une jeune fille? Qui m'a fait une blague. Garonne, Garonne, où est mon verre? Comment veux-tu que je trinque, moi, sans verre? Ah, le coup de l'étrier. Ah non, non, vous avez assez bu. Tu veux mon pied au cul? Il n'y a pas de haut, ça pourrait tomber, tu sais. Oh, tu n'as jamais parlé sur ce tour avant. Tu te crois tout permis parce que nous sommes mariés? Marié ou pas marié, quand tu auras besoin d'une tarte, j'irai chercher personne. Voyons, Garonne. Le divorce n'est pas fait pour les chiens, tu sais. Il n'est pas fait pour les clochards non plus, leur poufiasse. Poufiasse? Oh, maman, tu l'entends? Mais comment veux-tu qu'elle t'entende? Elle n'est pas là d'abord. Et puis elle est sourde. Et puis d'abord elle est morte. Je partirai demain. Et où iras-tu, pauvre gueule? J'irai à Saint-Jean, à l'hospice des vieillards. Eh bien, vas-y tout de suite, elle nous fait pensuer. Tu vois comment il me traite, la bique. Ma pauvre fille, c'est toi qui l'as voulu. Hé, la bique. Tu voyais pas. Eh bien, une bouteille chez toi. Allez, voyons, Garonne, tu vas pas la laisser, la pauvre. C'est sa nuit de noces. Eh bien, c'est trop tard pour la nuit de noces. Il va me faire jour. Allez, on va aller chez toi. Qu'est-ce qui m'a encore fait une blague? Eh, bougre d'Andou, il t'a fait tomber l'échelle. C'est pas moi, c'est la bique. C'était sans intention, Maryse. T'as rien de cassé? Oh non, c'est pas... C'est la tête qui a porté. Oh, tu sais, la tête, c'est tout ou rien. Du moment que t'es pas mort, faut pas se frapper. Tiens, viens ma petite Maryse. Viens Maryse. Pour une nuit de noces, c'est une drôle de nuit de noces. rien. C'est la tête. La tête. C'est la tête, c'est rien. Allez, viens. Allez. Oh, petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est tout. T'as mal aux cheveux, Maryse? Un petit peu. Ben, faut faire comme moi. Prendre de l'aspirine avant de boire. Ouais. Ben, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu vois, je déménage. Encore? Oh, mais cette fois, c'est la bonne. Oh, tu dis ça à chaque coup. Ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'homme que j'ai épousé, le dernier des voyous. Oh, tu pouvais t'en apercevoir avant de te marier. Oh, cette fois-ci, c'est la bonne. Il a dépassé les limites. Oh oui, ça, il m'a traité, moi, sa femme légitime, comme la dernière des dernières. Il a voulu me tuer. Te tuer? Me tuer.
Il a poussé l'échelle exprès pendant qu'il était dessus. J'ai tombé la tête sur le tas de cailloux, là. J'ai mal là encore. Bon, mais cette fois, c'est fini. Il ne me verra plus. Je me réfugiais chez les sœurs. À Saint-Jean? Mais ma pauvre fille, tu vas crever d'ennui. Oh, j'ai mieux mourir d'ennui que de mourir assassinée. Et le vin? Tu crois qu'elles t'en donneront, les sœurs? Oh, moi, je m'en moque. Tout plutôt que de revoir cet homme. Ah, elle a fait une bêtise, aussi. On n'était pas fait pour être mariés. Ça va pas? Oh, si, ça va. Ça va. Alors, au revoir. Au revoir. Tu viendras me voir si tu te sers des fous. Oh, bien sûr, oui. Au revoir, Amélie. Au revoir. Thank you.
On avait donné 300 francs à Maryse. Bon. Ouais, mais c'était vraiment parce que devant elle, j'avais envie d'être généreux. Elle était si... Oh, on peut pas dire belle. Non, mieux que ça. On était forcé de l'aimer. Oui. Et la vie suit son cours. Je peux pas vendre ça plus de 200 francs, 250 au maximum. Bon. Donc moi, je peux pas t'en donner plus de 150. Il faut que je trouve mon bénéfice. Oui, c'est vrai. Oh, on peut pas discuter avec toi, alors. Oh, c'est pas marrant, tu sais, tu te laisses plumer comme un pigeon. Ah, finissons-en, j'en ai marre, allez. Bon, ben, écoute, tu vois, l'un dans l'autre, et en te volant juste un peu, eh bien, tu en as pour 2000 francs. Bon, ça va, ça va. Mettons 2500. Oui, ça va. Moi, j'ai pas cet argent sur moi, il faudra que je revienne. Hein? Bon, ça fait rien, allez, emporte tout ça. L'argent, tu le donneras à Pilou. Je suis en compte avec lui. Mais tu devrais garder quelque chose en souvenir de Maryse. Hein? J'ai pas besoin de souvenir. Vous n'allez pas m'emmener? Si, cette fois, conduis-toi. On a un mandat d'arrêt. Tu le ferais exprès que tu ne ferais pas mieux. Laissez-moi tranquille aujourd'hui. Revenez dans 2-3 jours. Ben voyons, Garonne, sois raisonnable. Ça pourrait durer longtemps. Dans 3 jours, tu auras une autre bonne raison pour ne pas marcher. C'est vrai, je peux même pas marcher. Tu devrais faire tes 3 mois. Hein? La prison, ça te changera les idées. Je vais pas gaspiller mes jambes à la propos. Il n'y a pas de rémission, mon vieux. Cette fois, il faut que tu y passes. Il faut faire un pas. Pas d'histoire. On t'emmène, même s'il faut te porter. Portez-moi. Ah, tant pis. On va réquisitionner ta voiture. Toi, amène la voiture dans la porte. Moi, j'y prends du temps. Si vous le traînez avec ça jusqu'à Tournon, à la vôtre. Tu peux vraiment pas marcher? Non. Allez, allons-y. Et le phonographe, tu le vois aussi. Non, importe-le-moi. Fais ça, recule, là. Parce que si tu avais voulu, moi, je te l'achetais. Le disque aussi. Ah, le disque. Ah, oui. Le disque. Fais ça, recule, là. Pour en finir, c'est pour ton bien. Allez, au revoir, vieux. Et te frappe pas trop, hein. D'ici 3 mois, il passera de l'eau sous les ponts. T'écrirai. Je t'enverrai du tabac. Où tu l'as trouvé? Je l'ai volé. Tu ferais mieux de dire que tu l'as trouvé. Moi, je l'ai volé aux petits amants du Pont Saint-Jean. Mais je vous conseille pas de le garder. La pauvre Maryse avait raison, c'est un bracelet qui porte malheur. Ah, je vais pisser. Ah, tu pisseras de l'autre côté. Non, je vais pisser maintenant. Bon, ben ça va, mais alors dépêche-toi. Eh ben dis donc, mais tu ne marches pas si mal. T'es pas loin. S'il veut, il peut s'en tirer. Il n'a pas voulu.